Et vous le voyez sur ces images de Maxime Bonner, Jérôme Rodriguez qui se trouve en toute fin de cortège, reconnaissable avec son chapeau noir et puis surtout ses lunettes de soleil et son bandeau sur l'œil. Et Jérôme Rodriguez, donc une figure de ce mouvement des Gilets jaunes qui se trouve en ce moment à la fin du cortège. Ce cortège qui est extrêmement dispersé. Nous nous trouvons en toute fin avec des manifestants, plusieurs centaines de manifestants dans le cortège et un cortège qui se déroule plutôt dans le calme, hormis quelques pétards et puis qui ont été allumés tout à l'heure, et du gaz lacrymogène qui a été lancé par les policiers au niveau de l'avenue Montaigne et ses images de luxe. Mais dans cette fin de cortège, tout se déroule dans le calme avec des pancartes comme chaque samedi anti-gouvernement, plusieurs drapeaux, des drapeaux français, normands, bretons ou encore même certains, quelques drapeaux corses, vous l'avez dit Thomas tout à l'heure. Il s'agit de personnes avec qui nous avons parlé, qui vivent à Paris et qui aiment beaucoup la Corse. Voilà pourquoi elles ont un drapeau corse avec elles.